Saviez-vous qu'au Canada, il existe ce qu'on appelle le dossier de crédit, qui rassemble votre historique financier et vos informations personnelles? Vous recevez une note entre 300 et 900, basée sur votre bonne ou moins bonne gestion de vos finances. On appelle ça la cote de crédit. C'est un élément déterminant pour emprunter à la banque, mais aussi pour louer un appartement ou même acheter des biens, comme une voiture, par exemple. Sans dossier de crédit, il se pourrait que votre pouvoir d'achat soit diminué. Alors, comment fait-on pour bâtir notre dossier de crédit quand nous arrivons au Canada et que nous n'en avons pas? Un outil simple pour commencer, c'est la carte de crédit. La carte de crédit vous permet d'avoir une avance d'argent rapide pour payer vos achats ou vos factures selon une limite d'emprunt déterminée. Mais attention, vous devrez rembourser votre carte de crédit avant l'échéance chaque mois pour faire la démonstration d'une bonne gestion financière. Pour maintenir une bonne cote de crédit, essayez d'utiliser moins de 30 % de votre crédit disponible. Plus votre utilisation de la carte est responsable, plus votre limite pourrait augmenter. Et c'est comme ça que vous commencez à bâtir votre dossier de crédit. D'autres options de crédit sont offertes. Les prêts personnels, les marges de crédit et l'hypothèque spécialement conçues pour acquérir une propriété. Évitez de faire trop de demandes de crédit différentes sur une courte période. Vous risqueriez d'affecter négativement votre cote de crédit. Un bon dossier crédit, ça se bâtit à long terme. Faites preuve de patience et montrez que vous êtes une personne de confiance en effectuant vos paiements à temps et régulièrement. Pour savoir comment bâtir un dossier positif, consultez notre guide pratique. Banque nationale du Canada.